Avant de vous montrer ce qu'il y a dans ce petit box craquage, j'en profite pour vous dire comme quoi on va faire une vidéo foire aux questions, comme on vous l'avait annoncé avec la barre des 10 000 abonnés qui est dépassée sur YouTube. Un grand merci. Donc on vous laisse quelques temps pour poser vos questions, on y répondra avec Sébastien dans une vidéo à venir. Bon bah ça y est, je suis comme un enfant, je viens de le recevoir, donc j'en profite pour vous faire découvrir comment se passe une commande sur Rift Corner, donc qui est un magasin en Belgique. Si vous l'avez pas déjà vu, on y était allé avec Vince qui faisait des vidéos avec nous sur la chaîne Recifal News et qui s'est bien développé depuis avec des structures de culture notamment. Donc on n'a pas encore eu la chance de voir ces nouvelles infrastructures, mais je pense qu'on y ira très prochainement. Bref, et du coup ils se sont mis depuis également à la vente par correspondance. Donc je vais vous montrer ça. Donc le box est super bien emballé avec un package cartonné brillant avec des coraux ultra dessus. Un mot de remerciement, la date de départ, l'heure de départ, les informations pour le livreur et du coup le site internet. Donc là la facture et l'emballage avec du calage, des poches d'eau chaude, donc qui sont encore chaudes, et donc les différentes pièces en dépôt qui sont parfaitement scellées avec du scotch, le nom dessus et donc le corail qui est maintenu avec du plastique qui permet qu'il ne s'abîme pas sur les parois avec le squelette notamment. Voilà, petit Saint-Filia là qui est là. Airpolita, Zoa Lakers et un gonio multicolore. Donc je vais déballer tout ça. La température elle est correcte. Comme vous pouvez le voir, il y a certains qui envoient dans des pots, mais avec des pots qui risquent de fuir. Et là, franchement, ça tient très bien. Pas une fuite, un volume d'eau qui permet un voyage serein sans que le mucus ne pose problème et qu'il y ait une intoxication dans le transport. Donc c'est top. Pour le dip, j'ai tout simplement mesuré le volume d'un pot. Je sais que j'en ai 4 qui étaient remplis à ras-bord pour pouvoir quantifier la dose à mettre. Ça y est, le bain de 15 minutes au désinfectant est terminé. Je vois pas trop grand-chose au fond du bac, c'est que les coraux sont assez propres. Donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, du moins sur ce qui est la partie visible et qui meurt avec le bain que j'ai fait. Il me reste à les rincer à l'eau du bac et puis les mettre en place. Bon bah voilà pour ce craquage chez Rift Corner, donc vous le voyez, si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous y rendre, ils envoient en 24 heures, ça arrive très bien, c'est très bien emballé, et si vous avez un doute, si vous avez une question, n'hésitez pas à les contacter en anglais, et ils feront un plaisir de vous répondre. Moi j'avais fait l'erreur de l'envoyer à mon ancienne adresse, j'avais pas changé mon adresse sur le compte en ligne, j'ai écrit tout de suite, et le changement d'adresse s'est fait très rapidement, donc c'est super sympa parce que ça peut arriver. En général, si vous voyez quelque chose qui vous plaît sur un magasin qui envoie en France, il y a des très bonnes boutiques en Europe qui envoient. Et également en France, on a très bons VP6. Donc si vous voulez craquer, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le pouce, on s'abonne, on met une cloche. Ça vous permet de nous suivre et on continue avec du coup ces formats plus longs et les shorts sur toutes nos plateformes. À bientôt !